Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ce temps un peu bizarre. Il fait beau, enfin, un coup il fait beau, un coup il pleut, c'est un peu chelou, on sait pas trop, mais le printemps est là en tout cas. Et les beaux jours arrivent normalement. Et c'est sur ce climat un peu chelou que je vous accueille pour une nouvelle vidéo un peu hors série cette fois-ci, un peu spéciale, où je vais vous parler du coup plus collection. On va rentrer dans la gaming room. Du coup, je vais vous parler. On va s'installer tranquillou pour vous parler un peu plus de la collection. Développement autour de la collection. Et certaines discussions que j'ai pu avoir notamment avec certains d'entre vous hein, qui m'ont parlé. Et que je remercie d'ailleurs avec des petits échanges toujours sympathiques. On parle de collègues et autres. Et de jeux surtout. Et du coup, voilà, c'est une vidéo thématique. Il y a d'autres projets à venir également, hein, comme une vidéo du contenu sur Garou Mark of the Wolves, qui est le jeu que je dose, jeu du cœur que je dose en fil rouge tout le temps sur Néo et que je kiffe. Et il va falloir que je m'attarde un peu sur lui pour vous en parler sur la chaîne. Une vidéo sur le KOF 96 en thématique également, de fond. Il faudrait que je vois 2-3 détails. Et d'autres projets comme ça à venir. Mais c'est pas le sujet de la vidéo du jour. Le sujet aujourd'hui, c'est la collecte. Et notamment les jeux AES, MVS versus les conversions dans une collection. Et notamment, je vais parler pour mon cas uniquement. Mais je sais qu'il y en a qui vont un peu se reconnaître dedans, avec qui j'ai déjà échangé. Donc voilà, hâte d'avoir vos avis sur la question également. Donc le sujet, c'est quoi? C'est je collectionne des jeux AES depuis pas mal de temps maintenant. Vous le savez, pour ceux qui regardent la chaîne. J'ai récemment rentré des jeux MVS, mais juste avant, en fait, j'avais également pris 2 conversions. Ça fait quelques temps, notamment une à Retro Gameplay et l'autre, je ne m'en souviens plus, malheureusement. Donc, il y aura eu le Strikers 1945 Plus. L'autre, j'ai complètement zappé. Le Strikers 1945 Plus, qui est l'un des shoots que je kiffe le plus sur le support MVS. Du coup, bah, je l'avais pris en conversion à Retro Gameplay. Ah, il m'avait coûté entre 250 et 300 euros de base. Et voilà, c'est un jeu que je kiffe. Et pour l'avoir, avec une certaine cohérence dans la collection, je l'avais pris comme ça en conversion avec une boîte, un sticker, un format se rapprochant des jeux AES tels que vous les connaissez. Donc, c'est un jeu qui n'existe pas en AES, qui n'existe qu'en MVS normalement. Et je l'avais pris à l'époque pour y jouer, pour l'avoir en même temps dans la collecte. Et en gros, le ratio prix m'avait déjà fait un peu cogiter à l'époque. Et moi, si je remonte un peu dans mon historique à moi, aujourd'hui, si je collectionne, c'est pour avoir des jeux que j'avais à l'époque ou que je n'avais pas également, pour les retrouver en fait, et pour les collectionner en fait, pour les avoir notamment chez moi, regarder les contenus, les livrets et tout. Je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et c'est une réalité, je vais pas vous mytho. Pour y jouer, j'y joue pourtant à mes jeux, et j'y joue beaucoup, je suis quand même un très gros joueur à la base, je suis même beaucoup plus joueur historiquement depuis tout petit que collectionneur. NES, Mega Drive, Super Nintendo, Saturn et autres, et j'en passe, en fait, on a toujours revendu, joué quelques temps, quelques mois, quelques années, revendu pour racheter en fait, que ce soit moi avec mes grands frères. On n'a gardé qu'une Saturn qui est restée dans la famille chez un de mes frères et une PlayStation avec des jeux, des RPG en fait US. Globalement, voilà ce qui restait sinon. Une Xbox également switchée. Mais concrètement, sinon, il ne restait plus grand-chose de tous les jeux qu'on avait pu doser avoir à l'époque. Et parce qu'on était joueurs en fait. On voulait tout le temps bouffer des nouveaux jeux, des choses et tout. Donc on n'avait pas la nécessité de garder, on n'avait pas cette mentalité en fait. Même si on kiffait ce qu'on avait eu. Pour avoir, on roulait pas sur l'or, il fallait qu'on revende. C'était comme ça. On n'avait pas la chance de pouvoir en fait garder, de pouvoir acheter. Notamment quand la PlayStation proposait des jeux gravés, on s'est fait plaisir, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'était une manière de pouvoir doser gratuitement, quasi gratuitement. Bah, voilà. Moi à l'époque en plus on était à Vitry sur scène. Les jeux tournaient, mais comme des petits pains. Et donc, j'ai toujours été de nature beaucoup plus joueur que collectionneur. Cependant, aujourd'hui, ben, je vieillis. Voilà, je suis génération 1984. Je commence à avoir un certain nombre d'années. Je suis le plus petit de mes frères. Hein. Donc j'ai 4 grands frères au-dessus.
Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir reprendre depuis quelques années maintenant des choses que j'ai connues ou des choses que j'ai toujours kiffées. C'est ce que je fais. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la collection. C'est pour avoir ces objets, au-delà d'y jouer, parce que pour y jouer aujourd'hui, on va pas se mentir, les amis, vous pouvez y jouer sans avoir besoin de les acheter de 40 milliards de manières différentes via l'émulation ou alors à moindre coût sur les consoles récentes qui proposent de très bonnes conversions sur les ACA ou sur Fightcade. Si vous voulez doser en plus en multi, enfin, il y a vraiment de tout et j'en passe pour pouvoir jouer aux jeux que vous avez kiffé, que vous avez envie de découvrir. Notamment comme le Garou par exemple, hein, qui est un très bon exemple. Il n'y a pas besoin de dépenser, de débourser des sommes là-dedans. Maintenant, moi qui suis très nostalgique d'une certaine époque, que j'ai kiffé, voilà, c'est quelque chose qui me rappelle vraiment beaucoup de bons souvenirs pour des titres. Celui-là par contre, j'ai joué sur la Xbox Switch hein, en conversion, je ne l'ai jamais eu. Sur Neo CD n'existait pas, sur la ES, je l'ai jamais eu à l'époque. Donc moi j'y jouais en fait comme je pouvais, que ce soit sur Saturn pour la plupart des jeux, PlayStation, via les conversions qu'il y avait, ou la Neo CD, ou pour ce titre-là, par exemple sur une Xbox Switch plus tard, voilà, je les dosais sans les avoir jamais vraiment eu, pour le coup, le cas du Garou. Mais voilà, aujourd'hui je l'ai, je suis très heureux, c'est des targets que je m'étais fixé une fois que je m'étais lancé dans la collection. Et c'est pour ça que je me suis lancé, c'est pour avoir ces objets originaux. Donc qui sortent des usines d'époque, d'SNK, entre autres pour ça, ça peut être pour la Saturn pareil, mais c'est les objets originaux que je voulais pour ma collecte. Si je veux y jouer, j'y joue à mes jeux, pourtant je les dose, mais je peux aussi y jouer sur Steam, sur Fightcade, comme je vous l'ai dit et tout. Donc on va pas se mentir là-dessus, faut pas se raconter d'histoire non plus. Maintenant c'est de la pure collection ce que je vous dis là. Et du coup, pourquoi dans ce cas-là acheter des conversions qui coûtent 250-300 balles? C'est là la question que je vous pose en fait, même si je connais déjà la réponse. Effectivement, dans le but de les payer à moindre coût, d'avoir une cohérence visuelle dans la collection, moi je suis plus le profil du joueur qui va collectionner de l'original en très bon état. Donc, et ça ne veut pas forcément dire que c'est systématiquement plus cher. C'est là où c'est un peu particulier la conversion. Parce que sur Neo, les conversions coûtent quand même très cher. On est déjà à plus de 200-300 € pour pas mal de jeux, en fait, si vous les voulez, dans des conversions, on va dire, de qualité. Et moi, à partir de là, c'est un peu un frein que je me suis mis parce que je vois plus l'intérêt, en fait. Ça aurait coûté beaucoup moins cher, à la rigueur je peux comprendre, mais là ça atteint des prix qui font limite concurrence à d'autres jeux sur le support. Limite, je me dis, à prix équivalent, je le chope en MVS, ça c'est vraiment ma philosophie que je me suis inculquée, moi qui vise dans la collection de l'original. Et sinon, bah si c'est des jeux qui au format AES bah, coûteraient trop cher MVS également. Pour moi, en fait, hein, qui me suis lancé dedans après avoir quand même réfléchi un petit peu, bah, je les prendrais pas en fait sinon. Et je me consacrerais sur du Fightcade, de la conversion, de l'émulation sur des supports ou des consoles du coup next-gen, plus récentes. Mais quitte à les prendre, je préfère me les prendre et me lancer dans du full original en fait, et pas mettre des grosses sommes dans des conversions. C'est là où, voilà, où il y a le ratio. Quitte à passer à côté de certains jeux, si je les prends pas en conversion et que je les ai pas en MVS, bah, je les aurai sur des supports à moindre coût, plus récents en fait. C'est pour ça que la conversion pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est du fictif à tous les niveaux. Et c'est vraiment là où j'atteins une certaine limite sur ce sujet en fait. Donc là, c'est ma limite qui est atteinte en fait. Et là où je n'irai pas, et l'exemple du dernier jeu que j'ai rentré en MVS, le Shock Troopers, ben je l'ai payé moins de 300 € avec le full kit Serial Matching. Vous avez vu le jeu, hein, il était en très bon état, complet et tout. Et moi, je trouve que les jeux MVS avec la partie holographique label en tête sur le stickers où est indiqué le numéro de série du jeu et le nom du jeu sur la cartouche, ben je trouve que c'est un cachet également, que c'est beau. Hein. En plus, ça respecte les codes des boîtes Neo. Quand vous regardez le carton ou même la cartouche, on va avoir le numéro, enfin le type de support, MVS, AES de l'autre côté avec le logo Neo sur les boîtes Jap et autres. Sur quel support, donc sur quel système on joue, le nom du jeu et le fameux SNK en bas que vous retrouvez aussi sur le carton.
Donc ça suit un peu le code des jeux en fait Neo Geo. On va retrouver le système, le nom du jeu, le fameux SNK en bas avec plus de détails. Bah, forcément, les jeux AES, c'est pas une nouveauté, hein. Ils sont plus beaux entre guillemets parce qu'ils sont mieux illustrés. Mais bah, les formats MVS ont leur cachet aussi parce qu'ils ont des stickers un peu inédits, ils ont des trucs sympathiques aussi. Et surtout, les amis, vous démontez la cartouche, c'est du made in Osaka, c'est du made in SNK en fait. Et en tant que collectionneur, ça, pour moi, ça n'a pas de prix en fait par rapport à ce que je veux, le kiff que je me suis lancé en fait. Une conversion, ça perd toute son âme en fait pour moi. C'est là où je fais cette vidéo pour vous expliquer ça en fait. Parce que moi, que ce soit du MVS ou du AES, c'est du SNK en fait. Je le vois comme ça, c'est du produit d'époque, d'origine. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans la collection à la base. C'est pour avoir ces jeux, ce format d'origine. Et pas avoir des imitations aussi bien, soit le travail qui est derrière, aussi talentueuse, soit les personnes qui ont bossé derrière, ça ne reste que des contrefaçons. Enfin, sans être trop méchant, mais ça reste un dérivé, une copie en fait qui n'est pas réelle. Et pourtant, on va la payer très cher, les amis. C'est là où moi j'ai un bug en fait, et où je me dis, bah, je préfère 100 fois mettre à prix équivalent, hein, mes sous là-dedans. Je démonte, j'ai les PCB SNK d'époque. Elles ont tourné en salle d'arcade, certes. Il y en a qui ont peut-être même moins tourné que d'autres quand même, mais c'est des versions qui sont même moins buggées, peut-être avec moins d'anomalies que certains titres qui peuvent contenir des défauts sur AES. Moi, pour le coup, personnellement, j'en ai jamais vu, hein, jamais vu de bug réellement sur les jeux AES, mais apparemment, les versions MVS sont même dites pour être plus fiables dans les versions de jeux que sur AES. J'en ai déjà parlé de ça, j'en ai déjà abordé un peu le sujet, mais pour le coup, moi, je l'ai jamais vraiment constaté. Il y a un petit oiseau qui s'est barré, là, un corbeau. Mais en gros, voilà, ça reste de l'original, ça reste de la qualité, en fait, maison mère d'Osaka, SNK. D'époque, et ça a pas de prix. Voilà, c'est un peu le sujet de cette vidéo, les amis. Pourquoi acheter des conversions aujourd'hui? Moi, je vous explique pourquoi je ne le fais pas. Je ne les fais que rarement. Je les fais à deux reprises. Le deuxième jeu, j'ai vraiment un problème. Je m'en rappelle plus. J'aurais bien voulu vous le retrouver ce nom là, mais c'est pas grave. Mais c'était des jeux qui m'avaient coûté à minima 250 à 300, 350 euros de base. Là où un jeu en MVS original, full kit, serial matching, en bon état, peut encore vous coûter le même prix. Et même s'il était plus cher, voilà, moi le Strikers 1945 Plus, je vais le reprendre en MVS. Ça sera mon kiff, ça serait une de mes targets principales en MVS. Parce que c'est un jeu que je kiffe, et pour la collection, je préférais l'avoir en MVS en fait. Parce que pour y jouer, les amis, je vais pas vous raconter d'histoire. Ouais, c'est le jeu de ma vie. J'ai envie de l'avoir pour y rejouer, moi c'est pour y jouer. Non, non, c'est si j'ai envie d'y jouer, j'ai énormément de façons différentes d'y jouer. De manière aussi confortable. Je suis pas à la frame près, je suis pas à la milliseconde près. Je suis pas dans ce concours-là en fait. Je pense que je me débrouille pas mal déjà avec ce que j'ai et ce que je dois encore me taper comme session, training. Mais dans l'aspect collection, c'est de l'original. Et dans l'aspect jouer, bah, je joue à mes jeux, je les mets, hein. Là c'est le garou qui tourne. Mais, quitte à frotter un peu la cartouche, je m'en fous. Mais j'essaye d'y prendre soin, bien sûr. Mais j'ai aussi d'autres possibilités de pouvoir y jouer. Si ce n'était pas que de la collection, s'il y avait un but de jouer, et si je n'étais même pas collectionneur, bah, je les aurais pas achetés, en fait, tout simplement. Donc voilà, je veux pas mélanger les choses. Je pense que peut-être des personnes mélangent un peu les choses, ou par nostalgie, vont vraiment se rabattre sur certaines idées, certaines choses dans les conversions. Moi, je trouve que ça coûte déjà trop cher pour partir sur ce chemin-là, en fait. Donc voilà, c'est un peu délicat comme sujet. Je comprends tout à fait pourquoi il y en a qui ont acheté aujourd'hui les jeux au format en conversion, hein. Dans ce souci de cohérence, c'est toujours moins cher, il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur de vos cartouches, il y a des modifs qui ont été faites. Ce n'est pas de l'original. Les choses réimprimées, aussi bonnes soit la qualité, ce n'est pas de l'original. On peut se dire que le MVS est plus moche que l'AES,
Ça reste de l'original, les amis. Ça n'a pas de prix. Ça reste fourni par SNK de l'époque, sorti d'usine. Ça reste des produits, je l'ai peut-être dit au moins 3 fois déjà, mais ça reste des produits d'origine qui n'ont pas les mêmes vertus pour un collectionneur, en tout cas pour moi. Voilà, grosso modo, il y a un con qui vous a parlé pendant bientôt 15 minutes. J'espère que j'aurai vos retours, comme d'hab pour certains. N'hésitez pas. Sur la chaîne YouTube, Facebook, par MP, comme vous voulez. Vous savez, comme d'hab, que dès que je vois, dès que je peux répondre, je réponds, les amis. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. C'était la vidéo MVS, AES versus conversion du jour. J'en ferai peut-être d'autres sur ce format-là également. En tout cas, j'en ai d'autres en tête. Et pour ma part, je vous retrouve pour du gameplay, du test ou d'autres projets à venir sur la chaîne, comme d'habitude, les amis. Prenez soin de vous, toujours un moment de nostalgie quand je parle de rétro, la tête dans les nuages et ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt les amis. Ciao.